entre les copains d'abord. Alors c'est une initiative que nous avons prise au niveau du département et qui s'intègre totalement dans la politique départementale, dans la politique culturelle départementale. L'objectif qui est le nôtre, c'est de développer toutes les politiques culturelles sur tous les territoires de Moselle. Je crois que, et très naturellement, dans ces politiques culturelles, l'apprentissage, la découverte, la promotion et la diffusion de la musique font partie de ces intégrantes de ces politiques publiques départementales. C'est la raison pour laquelle notre direction de la culture a décidé de rassembler les presque 50 écoles de musique que nous avons, qui soit sont sur des territoires très, très urbains, avec une forte densité de population, des conservatoires et des écoles de musique, soit sur des territoires beaucoup plus ruraux, sur lesquels l'offre culturelle n'est pas la même, vous l'imaginez bien. Notre objectif, c'est de mettre en œuvre ce réseau avec des écoles, qu'elles soient associatives, qu'elles soient intercommunales ou municipales. On a aujourd'hui un maillage qui fonctionne. Et puis, à partir de cette mise en réseau, c'est d'offrir la possibilité à une majorité, et l'ambition c'est tous les Mosellans, leur donner la possibilité de pouvoir aborder la musique, soit la découvrir, soit développer l'apprentissage, et puis ensuite la promotion et la diffusion, c'est-à-dire de leur permettre d'aborder la musique, et ce en relation avec les chorales de Moselle, avec les harmonies, et le faire également au réseau avec les troupes de théâtre. Donc l'objectif, c'est de mettre en mouvement pour faire émerger depuis les territoires une excellence culturelle. Parce que il y a deux façons, soit on plaque artificiellement des choses par le haut sans que les habitants des territoires soient des acteurs, soit on décide de le faire émerger pour qu'ils deviennent des vrais acteurs d'une politique culturelle. C'est le deuxième choix que nous avons fait, et donc c'est de valoriser ces pratiques en direction des Mosellans et en particulier des jeunes publics. Et c'est pour ça que nous avons voulu associer les territoires, et la meilleure façon d'associer les territoires et les jeunes, c'est d'aborder ces jeunes depuis leur collège, puisque le département a la responsabilité de la gestion de 91 collèges publics en Moselle, et ce qui représente à peu près 41 000 collégiens dans les collèges publics. Et l'idée, c'était de travailler en relation avec les professeurs d'éducation musicale, avec les principaux de collège, mais de travailler également avec l'éducation nationale, l'académie, en particulier l'inspectrice chargée de l'éducation musicale, travailler avec l'association Lorraine pour le développement des chorales et des ensembles musicaux scolaires, ce qu'on appelle l'ALSEMS, hein, qui justement a cette responsabilité, et travailler avec l'INEC, qui est l'institut qui est chargé de la promotion du chant choral. Et l'objectif, c'était de réunir 800 collégiens, 800 choristes, venus, je veux dire, des quatre coins du département, de 15 collèges différents, collège de Moselle-Est, collège du bassin sud, et en particulier de Mousset-Albestroff, donc on est vraiment sur des territoires très éloignés, et puis venant également du nord du département et du pays d'Agondange. Donc ces 800 collégiens qui se sont rassemblés avec un certain nombre de répétitions, d'échanges, de travail en commun sous la responsabilité de notre direction de la culture. Et puis on a fait le choix ensuite de Brassens, parce qu'on pense qu'il faut naturellement promouvoir cet artiste français méconnu des jeunes, et puis parce qu'on a décidé d'organiser une exposition importante à Malbrook. Exposition où ils ont été invités pour entendre la vie de Brassens, c'est-à-dire rentrer dans la vie de celui qu'ils vont chanter. Et c'est pour ça que le titre, c'est
Brassens, les copains d'abord. C'est comme ça qu'on a fait ce pari. On l'a fait ici, aux arènes, parce qu'il fallait qu'on trouve un espace suffisamment grand, grand pour accueillir les 800 choristes, ce qui n'est pas simple. Grand parce qu'il fallait accueillir les spectateurs, et je crois qu'on jouera à guichet fermé là ce soir, hein, ça devrait être plein. Hein. Hein, donc, comment ? Ça se remplit bien. Voilà, donc, et c'est un peu l'objectif, c'est mettre en mouvement la Moselle. Voilà. Et puis valoriser le travail établi par les enseignants des collèges, dans une démarche très positive, et puis mettre à l'honneur notre jeunesse. Je crois que c'est important. Et puis leur donner la capacité de se rassembler et d'échanger, quel que soit le territoire dont ils sont originaires. Et là aussi, c'est notre politique en faveur de la jeunesse en général. Alors c'est les conseillers généraux juniors, c'est des démarches en faveur du sport, quel que soit le niveau. Et puis ça s'inscrit également dans la politique culturelle ouverte à tous. Et on est à l'avant-veille de l'ouverture de nos sites Moselle Passion, dont vous avez été l'écho dans vos colonnes ou sur les ondes, puisque le 9 mai, je serai à 10h à la maison Robert Schuman pour ouvrir l'exposition Schuman-Adenauer, les pères de l'Europe, avec De Gasperi et Monet, et que l'après-midi, je serai à l'étang du Lindre pour inaugurer l'écloserie. L'écloserie, c'est la maternité des poissons, pour simplifier. Alors, c'est des millions de petits poissons mosellans qui vont naître là. Mais c'est une démarche importante, puisqu'elle valorise l'étang du Lindre. Et donc, on ouvre les 7 sites culturels, avec quelques grands événements qui nous attendent. Je suis à Blisbruck, je ne sais plus quand. Voilà, le 31 mai, pour inaugurer 2500 ans d'histoire des gallo-romains depuis les sites de Blisbruck-Reinheim. Je suis le 30 mai à La Connexie pour inaugurer le jardin des Maoris. Ça, c'est un truc qu'il faut venir voir, mais c'est à 6h05 le matin. Donc il faut se lever tôt, puisque ça se fait au lever du jour. Et c'est la première fois qu'est créer un jardin maori en dehors de la Nouvelle-Zélande. Et ce sera un événement exceptionnel. J'ai été visité en off dimanche. On verra des choses exceptionnelles, à la fois dans le protocole et en plus, parce que l'objectif c'était avoir des jardins qui racontent un peu l'histoire des jardins venus de très loin, la culture des jardins. Et on aura également des Amérindiens qui seront présents. Donc ça va être très coloré. Avec des protocoles de civilisation très éloignés de la nôtre. On sera aussi au musée de Marsal et puis au musée Georges de la Tour. Et l'objectif, c'est d'accueillir tous les Mosellans gratuitement sur nos sites le 9 mai. Donc d'ouvrir tous les sites Moselle Passion aux familles, je veux dire simplement, et on espère qu'ils viendront nombreux. C'est ce qu'on n'a pas réussi à faire le 1er mai 2012, on le fait le 9 mai 2013. Et donc chaque année, ce sera le jeudi de l'Assomption, qui est un jour où la famille, je l'espère, a envie de sortir parce qu'il fera beau. C'est le vœu qu'on forme. Alors pour revenir à cet événement des choristes, des collégiens, c'est aussi pour leur marquer l'admiration qu'on a pour l'éducation nationale et puis leur marquer également l'attachement que l'on a en direction de notre jeunesse. Je crois que c'est important. Et vous avez vu, enfin, vous avez entendu cette ferveur qui se dégage de cette jeunesse. Et je pense personnellement, et vous savez qu'aujourd'hui, l'un des slogans du Conseil général, c'est réussir ensemble. On aimerait bien réussir avec eux et leur dire combien on est fiers d'eux. Et là, c'est un lieu d'échange et de rassemblement qui transcende les âges, transcende les territoires, qui transcende les situations sociales. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on gagnera le pari du citoyen de demain, pour les rendre citoyens de la culture. Et puis enfin, je le ferai tout à l'heure dans mon discours, remercier celles et ceux qui ont contribué à l'organisation. Et je pense que ce serait un bel événement, c'est le début d'une tradition que je voudrais installer.
Alors on verra si on le fera chaque année, et si oui, comment on le fera. Mais ça, c'est la Moselle qui gagne, qui se retrouve là, et je crois qu'il est indispensable de montrer cette jeunesse qui gagne. Voilà ce que je souhaitais dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Non. C'est tout dit. Il y avait le problème de l'agglomération Messine qui n'est pas du tout représentée dans ces programmes. Vous savez, quand on lance, quand on fait un premier pas comme celui-ci, on essaie déjà de s'adresser à celles et ceux qui ont déjà fait les pas de la pratique du chant choral. Et j'ai pu constater que ces pratiques étaient très développées sur des collèges en Moselle à l'occasion de mes visites de canton, parce que les visites de canton servent aussi à ça, c'est aller au collège de Mousset à l'occasion de l'inauguration de cuisine, je crois. Et puis j'ai des jeunes qui m'ont accueilli, qui ont depuis le collège animé un orchestre et une chorale, et j'étais impressionné. Et c'est de là qu'est m'est venue l'idée. Sachant que sur le Nord Mosellan, il y a également un concert qui est organisé chaque année, soit à l'Amphi Aiuc, soit au théâtre de Thionville. Donc il y a 320 choristes qui interviennent sur ce territoire, entre Aiuc, Saint-Gondange, Étange et Aumesse. Donc là, il y a des pratiques et des habitudes qui existaient déjà. Alors, naturellement, l'objectif après, c'est d'essayer d'être encore plus nombreux, de faire le pari du nombre aussi. Je crois que c'est important, même si ce n'est pas un objectif en soi, mais rassembler déjà 15 collèges, c'est déjà pas mal. Les faire tous converger vers ici, vous pouvez imaginer ce que ça demande en termes d'attendance et de logistique. C'est, voilà, c'est dire, voilà, ils viendront d'Albestroff, ouais. Il faut qu'il y ait un poids logistique entre Albestroff et Metz. Mais je pense que nous serons accompagnés au fur et à mesure que les années évolueront par d'autres collèges de Moselle. Voilà, je pense. Il faut commencer, vous savez, puis je suis bien content qu'on en ait 800. Déjà, c'est déjà beaucoup, parce que c'est aussi un challenge pour ceux qui l'ont organisé. Le stress n'est pas que chez les choristes, le stress l'est aussi chez les organisateurs, puisque on doit être responsable envers chaque gosse qui nous est confié par sa famille et par son professeur. Donc c'est aussi un enjeu, mais ça montre que la Moselle est en mouvement. En mouvement pour la jeunesse, en mouvement pour la culture, en mouvement pour l'égalité des territoires. Et ça, c'est important. Je travaillerai avec beaucoup de conviction pour que chaque petit Mosellan ait la capacité de pouvoir aborder le sport ou la culture, quel que soit son lieu de résidence. Et ça, pour moi, c'est un enjeu important, parce que c'est comme ça qu'on construira des citoyens avertis et qui auront déjà abordé sous une forme ou sous une autre la culture. Et ça, c'est de la responsabilité de la collectivité publique. Alors certes, l'éducation nationale le fait, naturellement, mais je pense que les territoires doivent apporter leur contribution aussi. Puis ça valorise les territoires. Et puis ce que je veux, c'est que les jeunes soient fiers d'être Mosellans. Et ça, c'est important pour moi, c'est de donner de la fierté aux Mosellans, la fierté d'être Mosellans, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de ce département et qu'ils découvrent aussi les sites et la culture mosellane. Et là, il y a du travail. Et si on le fait par les enfants, je suis convaincu que cette fierté sera diffusée auprès des adultes et que les adultes découvriront aussi leur département. Et là aussi, il y a du travail.